Mais pour l'instant, nous ne prenons pas de décision. Nous demandons simplement à président Chalus d'accompagner nous pour le meilleur projet possible là, pour diviniser les îles. Quelles sont les réponses qu'il va faire? Eh bien, il prend les décisions là où il faut, avec les autres, parce que nous ne pouvons pas parler nous tout seuls. Pour l'instant, pas ni pour décision qu'il prend. Selbité, il paraît puis accompagner nous à de meilleures décisions là pour l'union centrale convenable, c'est-à-dire centrale à 13 MW là, parce que nous savons c'est qui est meilleur pour nous. La difficulté en nous, c'est le problème énergétique. Depuis quelques années, ils ont demandé nous, pour nous pour s'attraper en faveur, pour nous arrêter de demander, fais-nous commencer à moderniser les usines en nous. Et modernisation de la capacité par une centrale de cogénération pour permettre nous d'être un peu plus indépendants à nos modes de fonctionnement. Nous, nous avons dit tout simplement que nous promettons nous, nous disons nous, fais-nous moderniser l'usine. Et donc c'est ça que nous avons dit. Nous passons dans l'immédiat d'activité, ça c'est lui qui a dit ça. Mais nous, on pas ça nous a dit. Nous avons dit tout simplement que nous créons un collectif pour nous débloquer une situation qui nous permet nous, qui nous demandé nous depuis 2012. Tenions plein de relance, tenions plein de modernisation à l'usine, les investissements commençaient dans ce sens-là, et jusqu'à présent, rien n'est pas fait. C'est tout simplement ça nous a dit. Après ça, mon limite a dit, ça c'est mon limite.